Salut à tous, alors je vous propose une nouvelle vidéo sur Dawn of War et bah, c'est pour vous dire que je suis déçu, quoi. Je suis tristesse. J'attendais Dawn of War 3 un petit peu comme le Messi, j'ai adoré les deux précédents. Et là je suis tristesse et je vais partager cet instant de tristesse avec vous. En plus de bon game titre, pas une polémique, mais sur Dawn of War 3, globalement, on a des revues de la presse française qui sont plutôt positives, et les revues des joueurs, les notes des joueurs, qui sont cata. Notamment si vous allez sur le site Metacritic, l'écart entre les deux est carrément délirant. Et là, pour le coup, là, moi, je vais rejoindre un peu les fans, hein. Des fois on dit les fans, les mecs qui sont aigris et tout ça, mais là, pour le coup, ils ont raison, j'ai l'impression que Relic c'est payer notre tête. Enfin, c'est payer notre tête, mais ils sont partis dans une mauvaise direction. D'ailleurs, dans les premiers de Dawn of War, si vous vous souvenez, c'était une logique classique de construction de base et de fonctionnalité. Ça utilisait le même gameplay que Company of Heroes, qui était un jeu axé sur la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous pouviez prendre vos unités, les mettre à couvert, notamment dans les cratères, par exemple les cratères d'impact, derrière des murs, etc. Vous pouviez prendre des bâtiments, placer les unités dedans. C'était assez tactique du coup, vous pouvez avoir par exemple ces unités sur les Space Marines, des Bolters qui permettent de faire un tir suppressif, permettent aux autres de manœuvrer autour, c'était carrément sympa. Dans le second Dawn of War, ils se sont axés sur un truc un peu plus RPG, puisqu'on avait que, toujours les mêmes 4 squads avec leurs spé respectives qu'on équipait, on leur mettait des armes, on leur mettait des armures, mais on avait toujours les mêmes mécaniques de cover. Et là sur Dawn of War 3, ils sont partis. Je sais pas, sur un truc qui mélange en fait RTS et MOBA. Donc MOBA, vous savez, c'est les arènes, hein, type typiquement League of Legends, Dota et Heroes of the Storm. Ce mélange est un peu bizarre en fait. Déjà, par exemple, pour ce qui est de la campagne solo qui nous intéresse quand même, parce qu'en une fois, on est. Je pense que beaucoup de fans sont accros à l'univers. Et la campagne solo, déjà, moi personnellement, j'accroche. C'est-à-dire qu'on a des missions à tour de rôle, Space Marine, Orc, Eldar. Space Marine, Orc, Eldar, comme ça en boucle. Donc déjà, les trois points de vue, moi c'est un truc dont je suis pas fan. Et en plus, franchement, au niveau des missions, là, par exemple, pendant que je parle, là, vous avez la mission Orc, des missions Orc qui se déroulent. C'est pas top quoi, c'est j'avance, je démonte des gars, je prends des points, là, par exemple là je prends un point stratégique qui permet en fait d'avoir des ressources. Il y a des ressources, hein, l'énergie, une ressource un peu plus standard hein, qui correspondrait à la thune en fait. Les deux permettent voilà, d'acheter des unités. Ouais, enfin c'est pas top. Déjà il n'y a pas beaucoup de bâtiments par race, il y a que 3 races, donc du coup les 3 que je vous ai cités. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments par race, pas des tas d'unités. Et donc là, enfin la campagne, voilà, elle est très très générique. Personnellement, je veux dire, c'est la première campagne de Dawn of War que je ne la joue pas au bout. Je sais, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Et avec ces quelques unités, donc ces quelques bâtiments, vous avez donc les héros. Alors les héros, ils sont assez fumés là. Par exemple, j'en ai un, vous avez son icône sur l'écran à gauche, en fait son portrait. Qui est séparé des autres unités, qui est accessible là, par exemple en cliquant sur F1, enfin en appuyant pardon, sur F1. Donc les héros, eux, bah, comme dans les logiques en fait, MOBA, ils sont ultra costauds, ils ont un certain nombre de pouvoirs, ils gagnent de l'XP au fur et à mesure de la campagne, de l'XP qui permet donc de gagner des niveaux et de débloquer des doctrines. En fait, les doctrines, ce sont des modifications de talents qui impactent sur les talents du héros, et aussi après plus tard des doctrines d'armée. Donc voilà, c'est une mécanique MOBA pure et dure. Alors les héros, certains sont un peu en carton, hein, ils crèvent vite, et d'autres sont carrément surpuissants en fait. Et je trouve que ça colle pas moi tellement avec l'univers Warhammer, d'avoir cette espèce d'être un petit peu mouse costaud, cette unité spéciale qui va décimer les autres à grand coup de super attaque. Voilà, ça fait trop MOBA, personnellement je suis carrément pas fan. Et du coup bah, ça se ressent en fait sur le multijoueur. C'est à dire qu'en multi déjà il n'y a qu'un mode. Qui se joue en fait en 1 contre 1 ou 2 contre 2 ou 3 contre 3 sur un nombre très limité de cartes, et là vous retrouvez carrément la pleine logique MOBA. Sauf qu'à la différence en fait des MOBA où vous avez toujours des grunts hein, qui pop à l'infini régulièrement et qui attaquent sur les lignes, les structures adverses, là il n'y en a pas. C'est à dire que ce sont vos unités qui vont être les unités de base et vos héros aussi, donc qui vont être les gamma house costauds. Mais on rentre dans une même logique qui est que sur la carte, en fait, chaque camp a une relique
qu'il faut protéger. Et donc forcément il faut détruire la relique de l'adversaire. Ah, sur le bon point on va dire que c'est assez dynamique, c'est assez violent, et techniquement les effets spéciaux tout ça ça claque. Mais voilà, je suis pas fan, et c'est ultra répétitif en fait, puisqu'il n'y a qu'un mode comme ça. C'est vraiment, c'est orienté compétitif. Alors les joueurs compétitifs vont vous dire ouais c'est génial, c'est de la balle, j'adore. Moi en tant qu'amateur plutôt de la franchise et de l'univers, je m'éclate pas, hein, sincèrement. Et puis alors, en plus se dire je vais mélanger MOBA et RTS. Déjà je trouve ça un petit peu casse-gueule, parce qu'on risque de perdre en fait la base de fans des jeux RTS classiques de la série. On risque de les paumer, ces fans-là, sans pour autant aller chercher les fans de MOBA, parce que le marché du MOBA, il est installé, hein. Entre League of Legends et Dota, voilà, c'est demander un petit peu à Blizzard, hein, qui est ici avec Heroes of the Storm, qui garde une place pas négligeable sur le marché, même s'il est loin des deux autres, parce qu'il a réussi à simplifier les mécaniques, à être plus accessible, et puis en plus, il y a la patte Blizzard dessus. Donc. Mais voilà, donc le marché, il est là, il est saturé, je dirais, limite. Donc, qu'est-ce qu'on espère aller gratter avec ça? Je vois pas trop. Alors, en soi, le jeu est pas mauvais, hein, parce que là, je vous fais du bâchage, on va dire, le jeu est naze. Non, il est pas naze, mais simplement, voilà, quand vous êtes fan de la saga, que vous attendez à avoir un univers bien exploité, vous êtes déçu. Si vous amusez à zoomer sur les unités, en fait, vous allez voir que limite les précédents jeux sont plus détaillés, notamment le 2, hein, on pouvait personnaliser ses armures, on débloquait des équipements, un tas de choses qu'on pouvait équiper qui modifiaient visuellement vos unités. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, je suis super déçu. Hein. En fait, c'est pour ça aussi que je suis peut-être un peu dur. C'est que quand un jeu, par exemple, on sait que c'est une merde, bah c'est une merde, on barre, on passe à autre chose. Là, c'est une série que j'adore, une série que j'attends. Et puis, paf, ça me souffle froid. Donc voilà, c'est pas mauvais. Mais je dirais qu'à part si vous êtes fan du jeu compétitif et un joueur petit qui a envie d'essayer un type d'arène différent, ok, pourquoi pas. Si vous êtes fan des précédents Dead of War à l'univers Warhammer 40k, je pense que vous allez vraiment pas prendre vos pieds. Tant c'est simplifié en fait, parce qu'il n'y a plus de cover, on peut plus se mettre à couvert, on peut plus prendre les bâtiments, il n'y a plus de tirs suppressifs, de choses comme ça. Alors ça a été remplacé, vous voyez, par des points prédéfinis sur la carte dans lesquels on peut aller mettre des unités à distance qui vont avoir une espèce de boule d'énergie autour d'elle qui va nous continuer de dire coucou, je suis à couvert en fait. Donc il va falloir utiliser des unités de corps à corps ou certaines attaques pour percer cette couverture. Mais c'est mécanique, quoi. C'est artificiel, il y a un certain nombre prédéterminé sur la carte et c'est pas cool, quoi. Donc en fait, on est en régression. Et voilà, vous avez compris. Ça m'énerve. Bah, j'espère malgré tout que vous aurez apprécié cette vidéo, même si je suis pas content. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.